Allez, c'est libéré pour cette première demi-finale. Les quatre premières iront bien sûr en grande finale. C'est Clara Rouget, la pilote de Descartes Bélix qui a pris l'avantage. En deuxième position, Anaïs Garnier, Saint-Avertin Sport. Alors que la troisième place, c'est Maïwen Pierre Vella de Bélix. Voilà pour l'instant le trio qui s'est détaché pour aller se qualifier pour la grande finale. Et pour la quatrième place, eh bien, c'est les couleurs de Trégueux contre la Rome. Allez, 212 mètres droit sur cette piste de Frontignan avec une très belle sortie de Fabre Véronis, la pilote de Pont-Évêque à la plaque 82. Est très bien sortie la grille de départ, mais elle va peut-être pouvoir conserver cette première position. Ça rentre dans ce premier virage et c'est tout qui mise. Et c'est vous qui avez pris l'avantage maintenant. Finale, on retient Fabre Véronis pour Pont-Évêque à la 12e position. La plaque est 36, le tour du siphon, devise à la troisième position et va donc se qualifier pour les grandes finales. Allez, la première demi-finale chez les cadets, Zachary Néel dans les intérieurs. Le temps de prendre le formé, il y a Léo Le Bougeon. Léo Le Bougeon ou Zachary Néel, c'est Zachary Néel. Le club de STB MX Race en première position. La deuxième place, elle est pour Léo Le Bougeon, Trégueux notamment. Alors qu'il y a les deux pilotes du Stade Bordelais, Léo de France qui est là, mais également Mathieu Fort. Et on va jusqu'à le retrouver également. Le pilote de Cernay, allez, il reste une ligne droite à courir avec toujours Léo Le Bougeon qui est en première position, la deuxième place pour Zachary Néel et les deux pilotes donc du Stade Bordelais qui se qualifient pour la grande finale. Allez, deuxième demi finale, toujours dans la catégorie des cadets avec Rochou. De cette première ligne, mais il y a le dardi ou Amélie Valentin. Est-ce que c'est Meunier qui vient en tête? De Dardy qui est allé récupérer cette première position, c'est un Dardy War qui est à la première place, la chapelle Saint-Méma, Roger Ferrand, c'est lui aussi est actuellement la deuxième position pour le retenir comme le semble-t-il, avec le premier à la deuxième place, et il y a une place, le quatrième position et une place en finale. Voilà, on a libéré la catégorie des juniors femmes maintenant avec le bon départ de Laura Mouget. La pilote de Fly Racing Besançon doit venir en première position. On va retrouver le Stade Bordelais à la deuxième place. Ambre Beato, équipe à venir du Stade Bordelais. Alors que la troisième place, elle est pour Zoé Février, Annecy BMX Club. Et la quatrième place, c'est encore l'équipe à venir du Stade Bordelais avec Mélina Pic. Voilà les quatre pilotes pour l'instant qualifiés. Attention à l'apparition d'Amir Moelia, notamment la pilote. Qui vient sur une à la bagarre, c'est Saint-Michel Aubert, Clara Barthélémy. Elle est en cinquième position, mais elle va tenter de revenir dans cette dernière ligne droite alors que Laura Mouget s'approche dans cette demi-finale. Ah, ça ne suffira pas, je pense. Alors là, elle est revenue sur la ligne peut-être, Clara Barthélémy. Allez, deuxième demi-finale, toujours bien entendu dans cette catégorie des juniors dames, avec notamment Pierre Léonie, Saint-Michel Aubert, 13, et Crozet-Laurine pour BMX Fly Racing, et la prise d'avantage Crozet-Laurine pour bien entendu une place en demi-finale. Il y a notamment dans cette série le club d'Assarien avec Moustier, Fourmani qui était bien embarqué dans le premier virage, deuxième position, la pilote à la plaque numéro 820. On retiendra donc à la troisième place, notamment la plaque 818 et une meçon 813 pour Elena Saint-Etienne BMX qui essayait de revenir, mais qui malheureusement restera sur les arrières. C'est Drouillard de Saint-Michel qui fait à la troisième place. Allez, la catégorie des juniors maintenant. Alors le bon départ, elle est pour qui? Il est pour Mathis Jacquet, le pilote de l'ADN Fly Racing de Besançon. Voilà, qui fait son retour à la compétition. Mathis Jacquet, donc en première position, à la deuxième place. C'est Oscar Laurent, Pays de la Loire, en deuxième position. Est-ce que...
troisième place, on retrouve à Dalma, il me semble que oui, le pilote de Saint-Brieuc, Elix Inspire. Plus tard, en troisième position, toujours Mathis Jacquet en tête. Et pour la quatrième place, eh bien, il va rester un nom à connaître. Et celui qui va aller chercher sa qualif, eh bien, c'est Lubin du PC Boutini qui va se qualifier pour la finale. Allez, on joue les demi-finales avec Shimano GT Factory avec Maxime. Il est dans l'intérêt, c'est un tout petit peu enfermé dans cette première ligne droite. Le pilote donc de Sarien Lourdeau va pouvoir retrouver donc à la première position. Pour le Rainer de Dardy, la troisième position, plat 830. Allez, deuxième demi-finale chez les dames avec notamment de Volder Charlotte qu'on fait custom. Racine qui essaie de se détacher, elle est dans l'inter. Va-t-elle prendre l'avantage? Il vient des Volder qui vire en tête. On retient Doudou Mathilde, Shimano GT Factory à la deuxième position. Abkaz Noé pour Gosport ou Belle-Île. Nécopole bien embarqué là aussi. La deuxième ligne, elle devrait pouvoir ressortir à la troisième position. Voilà donc le trio de tête forte. Et maintenant, à l'issue d'un mi-parcours, sur les arrières, on essaie de revenir pour une quatrième place avec notamment Tim Boulani, Francesca, Namo Millionnaire, actuellement quatrième, qui devrait d'ailleurs la conserver cette quatrième place et se qualifier pour la grande finale. On appelle la gouttière. Allez, demi-finale chez les Illitum avec Jérémy Rancurel dans les intérieurs. Le pilote de la DMV Racing Besançon-Doubs, voilà qui s'impose dans cette première ligne droite. En deuxième position, Irmatis Rago-Richard qui vient de plonger pour son pari peut-être de la deuxième place. Le pilote de Saint-Etienne BMX Riawiz, donc en deuxième position, derrière Jérémy Rancurel. Les Pays de la Loire sont là, Macléo Meunier pour les Pays de la Loire. Ami Doumir qui obtient son billet pour la grande finale. Le pilote de Gersa, la niçoise, qui se qualifie pour cette grande finale. C'était très serré pour la victoire. Allez, dernière demi-finale pour cette septième manche Coupe de France ici à Frontignan. Pilar Arthur Saint-Brieuc, la plaque 130, devrait pouvoir prendre l'avantage dans ce premier virage. Voilà ce qui est fait avec Arthur Pilar aux commandes, Avril Léo Saint-Brieuc, BMX Inspire ressortira lui à la troisième position, 2, 3, 4e place maintenant, car il y a eu du changement dans le deuxième virage, toujours Pilar.